Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire un premier état des lieux de mon objectif de transformation. Et du coup, on va commencer à parler du mois de décembre 2016. En décembre 2016, j'ai fait un défi qui s'appelle perte de poids. J'avais un ventre aussi gros qu'une femme enceinte à terme. Ma motivation était un petit peu timide. Du coup, j'ai fait beaucoup de cardio, donc de l'elliptique, de la marche et du vélo. Et j'ai fait un petit peu de musculation. J'ai arrêté les boissons gazeuses, les aliments gras et j'ai fait un tout petit régime. Décembre, opération. J'avais une hernie hiatale depuis mon plus jeune âge. Et quand j'étais petit, ça ne se soignait pas. Et avec le vieillissement, ça s'est réveillé. Et du coup, j'ai dû faire une opération. J'ai du coup dû arrêter le sport. L'alimentation, je mangeais que des céréales et des compotes de pommes. Et rien que ça. À chaque fois que j'essayais d'avaler quelque chose de plus solide, ça passait pas et je repartais aux toilettes. Et du coup, la reprise de sport a été entrecoupée par plusieurs voyages. Je suis passé à Manchester, je suis parti à Paris plusieurs fois pour des formations, je suis allé au Portugal et du coup, j'ai pas fait beaucoup de sport. Donc, en novembre 2007, je suis allé à une nouvelle salle de sport et mon objectif a été d'avoir un corps athlétique. J'ai entamé une prise de masse, j'ai arrêté de fumer, donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo sur l'objectif zéro nicotine, dont j'ai déjà fait un article. J'ai arrêté de boire de l'alcool pour garder un ventre plat. Et j'ai toujours beaucoup de motivation, de persévérance et une patience pour pouvoir arriver à mon objectif. En octobre 2017, un événement malheureux m'est arrivé. Je vous passe les détails. J'ai une prise de main plus sérieuse et j'ai eu le déclic transformation. Et depuis, j'ai créé ma chaîne YouTube. Je suis devenu praticien à Reiki. Je suis devenu passionné de musculation. Pratique sérieuse de la méditation. J'ai deux guides spirituels, donc un homme et une femme. J'ai les mêmes guides sans conseiller qui m'assistent pendant des exercices de relaxation. J'ai un intérêt plus prononcé pour la spiritualité aussi. Et le jeûne pendant Ramadan, il reste quelques jours et je pense pouvoir le finir. Objectif TEDx, vous avez toutes les vidéos depuis le premier jour. Et j'ai repris la lecture dans des domaines variés. Et plein de nouvelles choses et activités que je garde secrètes pour l'instant. Je vous posterai le dernier épisode opération détox spécial Ramadan après les fêtes avec une nouvelle surprise. Une très grande surprise. Donc restez connectés, likez la vidéo, commentez, partagez autour de vous et nous on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode opération spécial détox Ramadan. On se retrouve très vite. Et c'était Mr. M. Tchuss.